sous mon créateur. À tes pieds je viens déposer mon cœur. De toi je veux apprendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut. En ta présence sous mon créateur, à tes pieds je viens semblable à toi. Seigneur, transforme-moi, change aujourd'hui mon esprit et mon cœur pour accomplir la mission à nous confier. Tu remplis de ton esprit, ô Seigneur, je veux te servir par
Ils sont si mal.
parfois saint. Tu es Seigneur tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, sois fois saint. Tu es Seigneur tout-puissant. Oh,
m'a avancé plus près, rêve moi. Mais gain pour devoir pour me travailler que le meilleur gagne. On participer avec un sentiment pour me capable de devenir champion concours ça. Donc je dis à me qualifier pour finale, ça veut dire un pile bagaille pour moi. Pas oublier depuis avant de dire venir avec une idée pour me capable yon champion pour capable devenir et premier champion concours ça. Donc depuis dans texte, texte m'était passé. Donc rivé jodi a m'vinn content plus parce que à chaque jour m'a avancé plus près rêve. Ça veut dire en pile bagaille pour moi en tant que chrétien adventiste. Et pas bien un moment, presque toute musique qu'a faite pas basée sur sabbat. Après c'est ancienne musique que nous avons entendu plus. Mais ils ont initiative et pour venir avec des nouveaux chants sur sabbat. Donc ça a vraiment vraiment intéressant, ça a vraiment important pour moi-même du fait que me chanter yon musique sur sabbat. Tout d'abord, on a mes premiers. C'est objectif principalement, je suis capable premier dans le concours. Fixer objectif au plus sur ça au gagner comme talent. Objectif là, c'est qui ça? C'est chanter pour qui est? Chanter pour Dieu. Chanter pour Dieu. Donc chaque jour, essayer de travailler plus. Essayer avancez plus près, rêvez-vous, pour capable chanter, pour capable chanter pour qui est, pour bon Dieu. Déjà, moi, habitué à chanter dans l'église côté que je marchais, et moi, j'aime chanter. Depuis, moi, en côté, il y a une musique qui a passé quelconque, ça a toujours intéressé pour m'a suivre la musique là et l'artiste qui a chanté la musique là. Moi t'as aimé comme l'aime d'inscrire c'est une bagaille que me t'ai dit m'a continuer dit pour capable une championne et même premier champion. Moi senti que moi content. Ça dit me gros capable de bonne dans cœur le fait que mon est parmi les 10 concurrents qui a prêté pour final concours. Moi gain pour devoir pour me travailler. Chant que moi gagne hein, pour me faire plus que gens que moi t'ai fait auparavant afin que me capable quand même aboutir rêve que me doit aboutir pour tout ça. D'abord c'est juste parce que moi passionné de la musique et après juste pour m'évaluer. En fait, ça, je voulais dire un paquet de bagailles pour moi parce que moi a pas avancé en fait par rapport avec Jean et que moi t'es selon ça et que mon jury a dit moi essayer appliquer yo et comme ça moi et que moi arriver dans finale en fait moi garder ça gros. Objectif moi pour concours là c'est ouais que moi fait partie de gagnante finale. Tout le monde tape les premières en fait seul ça m'a dit que le meilleur gagne. En fait moi pour aller appliquer tout ça et que mon jury t'a dit moi que moi pas de fait en fait moi le mettre en application et conseiller que pour me capable arriver plus vite.
Nous demandons à tous ceux qui sont au dehors de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît, parce que nous allons commencer sous peu. Vous qui êtes au dehors, vous êtes priés de rentrer pour nous. Nous allons commencer, il est déjà l'heure. Entre-temps, nous saluons la présence de tous ceux qui sont déjà ici présents avec nous au sein de l'auditorium Michel Toussaint. Nous sommes là pour assister à cette union parfaite entre deux cœurs. Et déjà, nous vous souhaitons bienvenue. Bienvenue à vous tous, parents et amis, collègues, amis. Bienvenue à vous tous. Espérant que nous allons passer un très bon moment en cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui, lundi 15 août 2022. Nous sommes là pour assister à la cérémonie nuptiale du jeune homme, n'est-ce pas vrai, du jeune Jean, M. Medela et de Mademoiselle Roclo. Je ne suis pas seule, je me suis fait accompagner de mon co-animateur. Il répond au nom de... Michael Bellegarde. Bonsoir, Michael Bellegarde. Bonsoir, Whitney Jean. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous avons l'opportunité d'être ici pour visualiser cette union sacrée qui se fera d'un moment à l'autre entre Roclor Rosandré et Lovensky Medela. Et nous tenons à souhaiter à chacun de vous, que vous soyez parents, amis, que vous soyez des fidèles téléspectateurs, la bienvenue et merci encore de votre fidélité aujourd'hui ici entre les murs de l'auditorium Michel Toussaint. Puisqu'il est déjà l'heure, Bellegarde, nous allons sans doute assister à la rentrée du protocole. Je ne sais pas si c'est déjà l'heure, mais je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le printemps. Il y a une vie qui va commencer et qui doit durer longtemps. Ce sera la vie, la lumière, la joie. Prince et princesse, en cet après-midi, vont devenir rois. Et je ne sais pas comment vous voyez cette union, et Bellegarde. Ce sera vraiment alléchant de voir que l'amour va régner ici, entre ces murs. Nous devons respirer de l'air amoureux, ce sera le temps de voir comment l'amour a brillé dans le passé, comment il va briller ici aujourd'hui. Et nous avons une annonce combien spéciale, il y a un Ford immatriculé AA 71 48 91 qui est stationné devant. Il est prié à ce propriétaire de déplacer la voiture, car cette voiture obstrue la rentrée de la future mariée, à savoir Rosandré Auclair. Bien, est-ce que les membres du protocole sont déjà prêts? En cet après-midi, un moment de printemps, une vie entre Roclor et Medela va commencer et cette vie doit durer longtemps. Ce sera la lumière, la vie et la joie, comme je vous l'ai dit tantôt, prince et princesse, en cet après-midi, vont devenir rois. Ce sera donc la lumière, la vie et la joie au sein du foyer de Roclor Rosandré. Ils auront bien sûr à savourer l'amour au jour le jour, cet amour qui n'est pas partial, un amour très amical, un amour qui vient de Dieu. En cet après-midi, vous êtes les bienheureux témoins de cette union combien importante entre ces deux cœurs. Bien sûr, donc c'est le temps de faire connaissance avec l'amour, Whitney. Parce que nous avons souvent l'habitude d'écouter parler de l'amour, c'est le temps de le visualiser, de l'expérimenter. Le fait de passer de la parole à l'action, cela compte beaucoup. Et dans cette sphère combien spéciale, ce sera l'opportunité pour nous en tant que jeunes de voir comment nous devons commencer, comment continuer et surtout arriver sur cette même lancée. Je dirais le paroxysme, arriver au bout du tunnel de l'amour, contracter le mariage aujourd'hui. Donc ce sera un plaisir de les voir, de les contempler, pourquoi pas de marcher dans leurs souliers. Certainement, Michael Bellegarde. Alors, Medela et Roclor vont tracer pour nous le chemin, n'est-ce pas vrai? Bien sûr. L'amour est de Dieu, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. À chaque fois que vous avez l'opportunité de bien savourer ce sentiment combien si important, prenez bien le soin de le faire parce qu'on ne vit l'amour que lorsque l'on est en vie, n'est-ce pas vrai, Bellegarde? Exactement. Parce que vous avez parlé de l'amour. L'amour est important. Il faut vivre l'amour, pas seulement de parler de l'amour. Parce qu'il y a parler de l'amour et le vivre, donc ce sont deux choses différentes. Ladies and gentlemen, ce sera à la rentrée du porteur de Bible. Qui va porter la parole de Dieu. Vous êtes aussi en direct sur MEODH,
la chaîne qui change des vies. Ce sera la rentrée du porteur de Bible, Ismaël Sayel. Alors Whitney Jean, il est important de comprendre que la Bible constitue la toile de fond de tout ce que nous devons faire dans la vie, comme il est dit, sola scriptura. Donc sans la Bible, on ne peut rien faire. Exactement, l'amour est de Dieu. Et n'oubliez pas que le mariage, c'est une institution instituée par Dieu, c'est béni par Dieu. Donc le fait seulement que ces deux jeunes prennent le plaisir à s'adonner dans le doux lien du mariage, ils disent clairement que c'est Dieu leur créateur. Ils veulent obéir à la loi divine. Et je ne sais pas combien il y a la fête là-haut dans les cieux cet après-midi, Bellegarde. Bien sûr, la parole de Dieu nous a montré l'exemple des deux premiers qui ont eu le temps de s'aimer au niveau du jardin d'Éden, dont Dieu était le pasteur officiant. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en Éden, mais nous sommes à Digny 63. Donc l'amour n'a pas changé. Donc le même ton a été conservé et nous sommes là pour tout voir et visualiser. Alors certes, Bellegarde, nous ne sommes pas en Éden d'autrefois, mais l'espace est vraiment, je pourrais dire, paradisiaque avec ce décor. Déjà, nous tenons à féliciter les membres qui faisaient partie de la décoration. Donc c'est vraiment extraordinaire. On a l'impression qu'ici se transforme en Éden, Éden autrefois, n'est-ce pas vrai? Un Éden au niveau d'Haïti. Donc c'est pas une sorte de téléportation, mais nous sommes directement dans un milieu édénique dont l'amour constitue l'élément primeur, parce que nous devons faire la promotion de l'amour et montrer l'importance de parler de l'amour, de l'expérimenter, de le comprendre et pourquoi pas d'encourager les jeunes qui choisissent de se marier. Par devant les visibles comme par devant les invisibles, les anges du ciel sont là. Ils sont tous témoins de ce grand événement qui va se passer cet après-midi, lundi 15 août 2022, le jour si attendu, le jour J, le jour qui va unir deux cœurs sincères, le cœur de Médéla et de Rose André. Pourquoi pas Rose André et cette décoration est bien rose. Bien sûr, donc c'est le temps de faire le trait d'union entre deux cœurs qui se sont dit oui déjà bien avant qu'ils arrivent ici. Donc ce sera le temps de voir que les cœurs peuvent s'unir. Comme il est dit, je sens ton cœur battre mon cœur, c'est la synchronisation des cœurs. Donc c'est ce qui compte aujourd'hui. Bien sûr. Ok. À présent nous allons continuer à écouter un peu de musique parce que cela est très important, Whitney Jean. Parce que c'est un jour spécial, un lundi qui restera dans les annales de l'histoire. Qu'en penses-tu? Bien sûr, Bellegarde, puisque Dieu prend plaisir à cet acte combien si important cet après-midi. Il y a la fête là-haut dans les cieux. Les anges de Dieu sont en train de festoyer avec nous, comme vous êtes beaux de l'assistance, à pouvoir rehausser l'éclat de ce beau programme, un programme bien sûr conçu en l'honneur de notre bien-aimée sœur. C'est notre sœur, c'est notre tati, je ne sais pas, c'est notre cousine, c'est notre nièce, Auclore Rosandré. Et pour Médéla également, c'est notre cousin, c'est notre frère, c'est notre directeur de jeunesse, je ne sais pas, c'est notre ancien d'église, c'est notre conducteur. Il y a la fête là-haut dans les cieux, mesdames, messieurs. Réjouissez-vous, il y a un événement qui va se passer ici cet après-midi. Deux personnes vont entrer ici. Et ils vont sortir. Elles vont sortir combien, Bellegarde? Deux personnes, deux cœurs. Ce sera bientôt un seul cœur. Bien sûr. Donc c'est cette liaison qui est importante et que les téléspectateurs de MEODH, Mouvement des ouvriers de la dernière heure, ils vont comprendre cela. Parce que c'est très important de parler de l'amour, même si on attend depuis un bout de temps. Et comme il est dit, s'il tarde encore, il viendra sûrement. Et merci encore de votre fidélité. Merci parce que vous êtes toujours avec nous. Merci vous qui êtes branchés, vous qui êtes en train de liker, de commenter, de partager la vidéo en direct. Cela nous fait un grand plaisir en ce lundi. Un lundi, pas comme tous les lundis, qui s'écrit comme à travers les lettres de l'alphabet, mais qui va se différer quant à cette chose qui va se faire aujourd'hui ici. Exactement. N'est-ce pas que l'on chante souvent, certainement, à l'intérieur de nos églises, aimer, oh oui, c'est régner, puisqu'on est roi quand on aime. L'amour est la rosée exquise de l'esprit.
Soyez les bienvenus, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Le temps pour nous de patienter à l'arrivée des membres du protocole. L'amour, ce sentiment combien grand qui n'épargne personne, un jour, il t'a frappé la porte du cœur de notre sœur Rose André et de Médéla. Voilà pourquoi sommes-nous ici en cet après-midi pour être témoins de cette union. N'est-ce pas le porteur de la Bible qui s'avance, un aventurier, tandis qu'il s'avance? Il répond au nom de Ismaël Sahel, le porteur de Bible. Ismaël Sahel. Suivi des semeuses de pétales. Mon désir, Mondi Kiara, Erika et Nozmat Sahel. Les semeuses de pétales s'amènent sous leur ombrelle très élégante. Regardez-les au sein de l'assistance, elles s'amènent, elles répondent au nom d'eux. Mon désir, Mondi Kiara et Nozmat Sahel. Nous sommes tous là cet après-midi pour être témoins de cette union dont Dieu lui-même prend plaisir. Tandis que les filles s'amènent, les filles vont s'amener au son de la musique. Bien sûr. Nous demandons aux techniciens de reprendre pour nous la musique appropriée pour les semeuses de pétales. Notre technicien, vous êtes prié de reprendre la musique. Ce sera le temps de voir les semeuses de pétales. Elles vont semer les pétales de l'amour. Et c'est le temps de comprendre cette notion de botanique, la fleur. Donc les fleurs constituent des éléments qui sont en rapport avec l'amour Whitney Jean. Bien donc sûr. Ce sera le temps de voir. C'est juste pour semer. Embellir le chemin de Roclore et de Médéla. Le chemin qu'ils vont fouler d'un instant à l'autre aujourd'hui, en ce jour spécial. Exactement, mesdames et messieurs. Qu'on retourne à la musique, s'il vous plaît. Pour... Musique appropriée, s'il vous plaît, pour que cela fasse corps avec la rentrée des semeuses de pétales qui vont semer les pétales de l'amour. Mais elles sont toutes jolies, belles gardes, n'est-ce pas vrai? Regardez-les au fond de l'assistance. Bien sûr. Ce sont des enfants. Des enfants, symbole d'innocence, n'est-ce pas vrai? De l'innocence à travers un regard qui montre l'importance, l'exemplarité de l'amour. Exactement. Alors, elles vont semer des pétales de réconciliation, des pétales de convivialité. On retourne, s'il vous plaît. Attention, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Qu'on tourne la musique à Beaubrier, s'il vous plaît. Pour que cela se passe en bonne et due forme. Tandis que les filles s'amènent, je reprends pour vous cette strophe du numéro 147 de nos hymnes et louanges.
Aimer, c'est de cultiver en soi la fleur cachée, au suave du parfum que nul vent n'a séché. Et c'est la perle qu'on chérit, que d'autres ont cherché. L'amour est la rosée, exquise de l'esprit. Les filles s'amènent. De la poésie. Elles se font attendre, je ne sais pas si c'est en fonction de la musique. Voici à présent la rentrée des semeuses de pétales, Whitney Jean. Elles répondent au nom de Mon Désir, Mon Dieu. Chiara Erika. Et Losmat Sayel. Il y a les semeuses de surette aussi. Christiana Ika, Christian. Elles seront là, elles sont déjà présentes pour semer les pétales de l'amour. Des fleurs. Vous aimez les fleurs? Tu aimes les fleurs, Whitney? Bien sûr que si. On aime tous les fleurs. Donc ce sera le temps de voir que les fleurs peuvent être semées par des personnes ayant le visage rempli d'innocence. Et ce sera le temps de le comprendre ainsi. D'abord, toutes ces fleurs qui sont dans l'assistance témoignent combien la vie de Roclore va être une vie fleurie, n'est-ce pas vrai? Arrosée par les efforts de Médéla Lovensky. Exactement, sous la puissance de cet Esprit de Dieu, ce sera une vie parfaite. Bien sûr. Donc, ce sera le temps de voir les semeuses de pétales. Mon Désir, Mon Dieu, Chiara, Erika et Luzmat Sayel. Les semeuses de surette, Christiana Ika Christian. S'il vous plaît, caméra Magno. Il ne faut pas obstruer la rentrée, s'il vous plaît, parce que cela est très important. Il faut que nous ne pas réentrer pour que MEODH vienne faire travailler. Et voici, ils s'amènent. Ce ne sont pas seulement des filles. Ils répondent au nom de Pierre Caleb, Jean-Marlin, Rosenberg, Obed Bernati, Bonhomme et Danara Meignan. Gorbatchev, Raymond, je me souviens de Mikhail Gorbatchev, l'ancien gouverneur de la Russie. Hein? Déborah Etienne, Prédin, Bazin et Box Larissa. Gentil Colin et Collins et Félicien Mesline. On a également Ruth Kersin et Neissa Pierre Judelet. Almani Daniel, accompagné de Désir Stéchy. Il y a également Jean Dieff et Charlemagne, Charmailine. Claire G, Ruth Benz et la fille d'Emmanuela. Ils sont tous là pour rehausser l'éclat de cette union, de ce miracle qui va être opéré au sein de l'auditorium Michel Toussaint cet après-midi. Lequel miracle consiste à unir le cœur de Médéla et de Rosandré. Tandis que le moment est solennel, c'est vraiment symbolique. On a par devant nous la présence des enfants. Symbole d'innocence, certainement. Bien sûr, ce sera le temps de les voir, de voir leur entrée, une entrée spéciale, Whitney. Donc, tu attends aussi à ton jour, qui arrivera bientôt. Ce sera tantôt dans quelques années, peut-être. Bien sûr. Et présentement, nous avons l'arrivée des filles, des demoiselles d'honneur. Elles sont toutes jolies sous leur revers. Elles répondent au nom de Michael Belgrade. Bien sûr, nous avons Renan, Mika Chéri, nous avons Anne-Laure et Sadora Excellent. Donc, elles sont présentes. Elles attendent la musique appropriée. Elles nous honorent aussi. Avec l'arrivée de ces demoiselles, l'atmosphère change automatiquement. De la musique, la rentrée se fera en accompagnement avec cette musique que vous écoutez, ce morceau instrumental, pour votre plaisir, votre délectation. «
les demoiselles d'honneur Renan Love Naika, Mika Chéri, Anne-Louise et Sadora Excellent. Elles s'amènent au rythme de la musique. Renan Naika qui est là aussi. Les bas sont rythmés. Donc ces bas représentent les éléments importants de cette union spéciale. C'est le temps de les visualiser, de voir combien la beauté, combien le rythme, combien il est bon de voir leur entrée aujourd'hui. C'est important de voir que les garçons vont venir de leur côté pour faire un geste significatif, celui de leur tendre la main. Aimer, c'est pénétrer d'insondables abîmes, élever sa pensée à des hauteurs sublimes, des hauteurs sublimes, bien plus haut que l'aigle royal, atteindre l'infini, conquérir l'idéal. Cet après-midi, nous sommes tous là, témoins de l'amour. Ah oui, si l'on vous demande, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, est-ce que l'amour existe encore? Vous n'avez qu'à vous référer à cette union de cet après-midi. L'union de Rocklore, entre Rocklore et de Medela pour dire oui. Oui, l'amour existe encore. D'ailleurs, le Dieu que nous servons, il est lui-même l'amour personnifié. Bien sûr, dans la sphère de la Bible, Dieu constitue l'amour même. Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est amour. Voilà. Donc si Dieu est amour, donc s'ils ont choisi aujourd'hui de s'unir par le lien sacré de l'amour, c'est ce qu'ils ont compris. L'importance de marcher dans les souliers de ce qui est dit dans la Bible, la parole de Dieu. L'important de faire de l'amour les éléments directifs de cette union premier spéciale. C'était la rentrée des demoiselles d'honneur Renard Naika, Mika Chéri, Anne-Louise et Sadora Excellent. Et maintenant... Présent. Mesdames et messieurs, merci de suivre MEODH, le mouvement des ouvriers de la dernière heure. Nous sommes aussi sur ils sont en train de suivre ce moment inoubliable. Ce reste la princesse qui s'amène, le prince et la princesse. Ils répondent au nom d'eux. Fred Lindsay, accompagné d'une très belle demoiselle, bien sûr. L'amour, c'est de cultiver en soi la fleur cachée. Une fleur cachée. Donc c'est le temps de la chercher. Ah oui. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, que vous soyez parents, amis, collègues de travail, étudiants. À vous tous qui êtes déjà mariés, c'est le moment ou jamais de consolider vos liens, le lien du mariage, parce que le mariage est béni. C'est l'une des deux institutions
émanée de Dieu lui-même, Dieu notre Créateur, le mariage, tout comme le sabbat de notre Dieu, est béni. L'Éden, c'est lui, un bon gentleman, le prince modèle et la princesse modèle. Alors, Bellegarde, c'est l'arrivée de la princesse, n'est-ce pas vrai? Oui, ce sera le temps de voir. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de royaume sans prince et princesse. Certainement, c'est la princesse. Elle répond au nom de Jules Jeffka. Accompagné de Ludens, c'est lui, Junior, notre bon ami à nous. Il y a son prince qui est en chemin pour aller la rencontrer. Ludens, le gentleman. Qui montre tout son talent. Je ne savais pas qu'il avait tout ce talent-là. Ah oui, il fallait voir. Beaucoup d'affection, d'affectivité, de connexité. Beaucoup de cadence et de style, un bon gentleman. Ah oui. Ladies and gentlemen, señores y señoras, mesdames et messieurs, merci de visualiser, de savourer ce moment combien important et inoubliable. Nous sommes là pour dire oui au principe divin. Oui au principe divin. Nous sommes là pour donner jarrette à la loi de Dieu. Dieu qui a institué le mariage, et nous devons prendre en exemple le choix de ces deux jeunes, Oclor et de Medela. Bien sûr, il y a une deuxième princesse qui était dans la file d'attente, qui attend l'arrivée de son prince charmant, qui ne vient pas sur un cheval, sur ses deux pieds, mais son amour reste le même. Donc ce qui est important, c'est de voir tout. Alors Bellegarde, au royaume de Rose André et de Medela, il n'y a pas qu'une princesse, il y a plusieurs princesses, n'est-ce pas? Elles vont s'entendre. Elles vont s'entendre. Les princesses sont toutes brillantes, ornées. Vêtues de rose raquette, c'est la couleur, n'est-ce pas? Ah oui, la couleur de l'amour. Ah. Que serait l'amour sans la couleur significative? Août 2022, un lundi hors du commun, hors pair. Jour J, jour si attendu par plus d'un, pour voir éclater ce grand jour, pour pouvoir rehausser l'amour. Il y a Watson qui n'est pas seulement informaticien, il est aussi gentleman. Donc c'est un homme à double chapeau, à double titre, qui présente son titre avec brio. Il y a également la présence des anges de Dieu qui sont là pour être témoins de cette union, témoins de ce miracle combien grand depuis la création du ciel et de la terre. L'union parfaite entre deux cœurs, le cœur de Rose André, une jeune fille très respectueuse, très talentueuse. Bien sûr. C'est le temps d'écouter les phrases importantes de ta part, parce que le fait d'être talentueux, cela fait corps avec cette notion d'amour. Il faut mettre en exergue ce que nous savons faire réellement. Je voudrais prêter les paroles et du sage qui eut à dire, qui peut trouver une femme vertueuse? Medela l'a trouvée, je dirais l'homme qui Medela. Ah oui, cette femme-là, elle a plus de valeur que des perles. Exactement. Donc Medela a trouvé cette femme que Salomon parle dans ce livre important. Ah oui. Donc il l'a trouvée sûrement. Nombreux sont ceux qui sont à la recherche. Ah oui. C'est le temps aussi de d'opter de la même manière que Medela. Thank you.
Et il n'y a pas de mariage à la société de jeunesse, parce que Ménéla en fait partie grandement. Donc ce seront les jeunes qui vont entrer. Les aventuriers d'abord, les Aramako aventuriers après. Il y a également la présence de la jeunesse qui est la force vive de l'église. J'ai souvent entendu dire si ou pas dans JA ou pas sous rien. Donc la présence de ces jeunes adventistes du 7e jour témoigne combien Woklo et Medela étaient tous des membres actifs au sein de la société de jeunesse. Bien sûr. Des membres actifs qui se sont donnés chaque jour, quotidiennement. Exactement. Pour donner de l'élan à la jeunesse de l'église de Luna. Donc la jeunesse est en train de leur renvoyer l'ascenseur, bien sûr. Les aventuriers qui rentrent à travers cette musique, non pas une musique de jeunesse, mais une musique quand même instrumentale. Cette jeune demoiselle, Woklo, qui va se donner en mariage, a consacré toute sa vie à instruire ces enfants-là que vous voyez, Belgarde. Bien sûr, l'instruction est importante. Il faut bien instruire, bien faire son travail. Les éclaireurs maintenant. Les conquistadors, les éclaireurs de l'église de l'Université Adventiste d'Haïti, qui sont là aujourd'hui pour apporter leur soutien, pour faire cette conjugaison entre la jeunesse et l'amour. Alors oui, déjà, il n'y a pas de jeunesse sans amour. Ah oui, bien sûr. Même si parfois on est au niveau de la jeunesse de notre amour. Ah oui. Pour atteindre la maturité sentimentale. Et ces deux jeunes-là, ils font preuve de la maturité, le fait de s'avancer par-devant l'autel pour se donner en mariage. Et nous lisons ce qui suit dans Proverbe Bellegarde. Bien sûr. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Lovensky Medela. Elle a plus de valeur que des perles. L'amour, la rosée exquise de l'esprit. L'amour, ce sentiment qui n'épargne personne. C'est au nom de cet amour que vous et moi, nous sommes ici au sein de l'auditorium Michel Toussaint cet après-midi. Monsieur, bon. Même avec un gilet pare-balles, on sera transpercé par l'amour. Ah oui, bien sûr. Mais avec un bouclier. On peut toujours faire semblant de ne pas être atteint de ce sentiment comme il est fort, mais c'est évident. On pourra pas tenir longtemps. Ah oui. Yes. Attention, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Merci de partager la vidéo. Merci de commenter. Merci de leur souhaiter un bon moment. Exactement, par l'intermédiaire du directeur de jeunesse, Don Peter Lovensky, il a fait feu de tourbois afin que les jeunes puissent s'amener pour aider Lovensky Medela, parce que lui, il a déjà fait son travail, ce sera son tour à lui de faire la même chose. Exactement. Et maintenant, Whitney Jean. Nous espérons encore. Qu'est-ce que nous allons avoir tout de suite? Peut-être la rentrée des couples modèles. Vous êtes priés de patienter. Les couples modèles vont nous arriver sous peu.
La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. En cet après-midi, 15 août 2022, un jour si spécial, c'est un jour spécial de la vie de Roclore, Rosandré et de Manila, mais c'est également un jour spécial là-haut dans les cieux, puisqu'il y a de la fête. Ces deux jeunes vont s'unir dans le doux lien du mariage. Le ciel est en fête, il y a la joie là-haut dans les cieux. Les coupes d'honneur se font attendre. Salomon poursuivit pour dire dans Proverbe, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mais de là, avoir entre vos mains Roclore étant une femme intelligente, c'est bien un don de la part de Dieu. Arrivé, nous sommes là pour assister à un miracle tout à fait spécial. Deux cœurs vont rentrer ici pour sortir comme étant un seul cœur, le cœur de Roclore, Rosandré et de Médéla. Soyez patients, les coupes d'honneur. Votre patience. C'est également la présence de deux témoins, les témoins s'amènent. Seul l'amour va pouvoir rester pour toujours. Il y a bien des joies.
éprouvé par tous ceux qui un jour ont uni leur vie devant Dieu. Mais il est un bonheur de loin inégalé, c'est d'avoir Jésus-Christ pour chef dans son foyer. Quelle est belle la vie à deux, quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Mais il est des foyers brisés, déchirés. Il nous faut constamment veiller et prier. Des armes de Dieu revêtons-nous afin de pouvoir résister et tenir ferme jusqu'au après avoir tout surmonté. Quelle est belle la vie à deux, quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Quelle est belle la demeure d'un foyer uni par Dieu. Quelle est douce la chaleur d'un foyer où règne Dieu. Que ce foyer soit pour tous ceux qui vivent dans la nuit une lumière, un feu qui réchauffe et réjouit. Quelle est belle la vie à deux, quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu main dans la main. Foyer rempli d'amour, donne envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux. En attendant l'arrivée des personnes concernées, nous rentrons directement dans la programmation de cet après-midi. Et ce, c'est juste avec un chant spécial bien avant l'arrivée. Tandis que les filles d'honneur sont déjà assises, les membres du protocole JA sont priés de prendre une position confortable. Nous sommes tous là au nom de l'amour. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il peut toujours avoir des contraintes de dernière heure. Cela arrive et nous allons tout de suite commencer pour faire la rentrée des futurs mariés.
Et ce sera avec la voix d'une personne, d'une fille, bien sûr. Ce sera avec la voix de Dinarchli Pascal Verdinier. Est-ce que Dinarchli est là? Certainement, Dinarchli va nous conduire jusque vers l'au-delà avec sa voix mélodieuse. Toutefois, elle est priée de s'avancer, ce qui sera suivi de la lecture avec Medela Shirley. Est-ce que Dinarchli est là? Bien avant Dinarchli, disposez-vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, à savourer un morceau très spécial de la part d'un groupe qui se passe de présentation. Les artisans de l'harmonie, les membres sont tous présents pour rehausser l'éclat de ce grand événement. Avec leur voix, nous allons débuter le programme de ce soir. Apprécions le groupe artisans, les artisans de l'harmonie, dans une composition intitulée « À Dieu soit la gloire ». Pour l'union de Rocklore et de Medela qui va se faire cet après-midi même, les artisans de l'harmonie crient « À Dieu seul soit la gloire ». Thank you.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était avec vous la voix des artisans de l'harmonie. Ils viennent de dire gloire à Dieu pour l'union qui va se faire sous peu cet après-midi, n'est-ce pas vrai, Bellegarde? Oui, exactement. Notre Dieu mérite la gloire et l'honneur. C'est le temps que le groupe artisan de l'harmonie vient d'articuler ce chant. Combien spécial de dire combien notre Dieu, il mérite bel et bien la gloire. Alors, Whitney Jean, c'est le temps de voir que les gens sont toujours détendus, ils sont très patients. Donc, c'est une grâce quand même. Les bonnes choses se font attendre, certainement. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer cet après-midi. Donc, voilà pourquoi vous avez le devoir d'attendre. Vous êtes priés d'attendre l'arrivée des deux personnes les plus importantes de la cérémonie de cet après-midi. Elles sont saines et sauves. Justement, elles se font attendre. Elle va fouler l'enceinte sous peu. Vous êtes priés de les attendre. Gloire à Dieu pour cette union de cet après-midi. Gloire à Dieu pour avoir uni ces deux cœurs, le cœur de Lovensky et de Roclore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après un si beau chant, n'est-ce pas intéressant de faire la première lecture de cette circonstance? Bien sûr, une lecture qui fera corps avec ce que nous venons d'ouïr maintenant de la part du groupe Artisans de l'Harmonie, la lecture, la première lecture de la parole de Dieu. Et après, nous aurons la rentrée des couples modèles qui sont déjà par devant la porte de l'auditorium Michel Toussaint. La première lecture avec Médéla Shirley. L'assistance est priée de se mettre debout pour check this. Le respect de la parole de Dieu. Check. La lecture se fera dans les psaumes 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la baptise travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous couchez-vous matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli ses carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Mettez-vous, s'il te plaît. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Vous pouvez vous rasseoir et présentement au sein de l'assistance, c'est la rentrée des couples d'honneur. Couple d'honneur. Ils sont déjà présents. La musique appropriée pour cette rentrée combien spéciale, s'il vous plaît. Et merci de votre fidélité encore une fois. Merci de nous suivre. Merci de rester avec nous. Les couples modèles, et ils répondent au nom d'eux. On a en premier lieu le couple Esprit-Saint. L'Esprit-Saint va régner au sein de la famille de Rosangé, n'est-ce pas vrai? L'Esprit-Saint dans un corps mortel. Donc, cela est très important de les considérer, le couple modèle. Donc ce n'est pas un monsieur Esprit-Saint qui est à la tête. Le couple Esprit-Saint suivi du couple Cadet-Ivner. Il y a également le couple de Segui-Franck, le docteur Segui.
bonheur de loin et l'égal. Et en dernier lieu, nous avons l'arrivée du couple modèle, le couple Jean-Josué-Pierre. Bien sûr, un couple modèle qui est par devant, donc quand même, ils sont des modèles dans ce domaine. Combien précieux, des visages que nous aimons voir, même si de manière faciès, ce n'est pas très connu. Donc, un couple modèle qui est par devant, suivi de Monsieur Esprit Saint. Ces coupes annoncent quelque chose qui va se passer, quelque chose d'extraordinaire. Ces couples modèles pour le futur et la future mariée. Couple modèle. Donc nous pouvons suivre ces personnes, oui, des gens. Exactement, c'est sûr, au cours de leur parcours, ces personnes-là ont laissé des traces pour Oclore et Medela. Voilà pourquoi je pense que ces deux jeunes leur a choisi pour pouvoir faire la rentrée, pour pouvoir précéder leur rentrée au sein de cet événement combien grand. Bien sûr. Donc il y a Esprit Saint, Monsieur Kadé Ivner, accompagné de sa femme, Monsieur Segui Franck et sa femme, et nous avons Jean, Josué et Pierre, ainsi que d'autres personnes avec nous. Et tandis que les couples sont déjà là, serait-ce la rentrée des petits mariés? L'amour de Dieu. Bien sûr, nous attendons. Quelle est belle la demeure d'un foyer uni par Dieu. Quelle est douce la chaleur. Il y a le docteur Maniga qui s'avance, accompagné de Madame Marie-Flore Duviela, excellent, qui est très excellente dans sa marche. À un titre quelconque, il s'amène. Il rentre qui réchauffe et réjouit. Ils sont là avec nous. La vie à deux, quand on a le désir commun de servir et d'aimer Dieu, main dans la main. Que nos foyers remplis d'amour donnent envie à ceux qui nous entourent de posséder aussi en eux l'amour de Dieu. Et voici, c'est l'annonceuse qui s'amène. L'annonceuse annonce quelque chose de spécial et elle a entre ses mains un morceau de papier écrit « Voici, voici la reine de la soirée. » Voici la mariée tant attendue. Voici la personne la plus importante en cet après-midi. Voici la personne tant attendue qui s'amène. Elle répond au nom de Oclore aux André. Tandis que Oclore s'amène, vous êtes priés de vous mettre debout, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Et voici la présence de la mariée qui s'amène. Elle s'est fait attendre et voici, elle arrive. Et surprise, c'est encore la présence d'une annonceuse. Elle annonce une chose importante aujourd'hui. La venue de Rosendor, au clan Rosandré. Beaucoup d'émotions, d'émotivité. Attention, on attend patiemment cette rentrée spéciale. Et voici, l'atmosphère va changer.
te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'en C'est la voix suis de la mariée. Pas digne, mais voilà la preuve de ton amour. Avec sa voix mélodieuse, elle la s'amène. La des millions d'anges ne saurait exprimer ma gratitude. Ce que je suis, c'est pour te donner gloire. Toi qui m'as transformé. À Dieu soit la gloire, enfin, elle rencontre l'homme de sa vie, à Dieu seul soit toute la gloire. Et c'est vraiment émouvante, la situation, c'est vraiment émouvante, à Dieu seul soit la gloire. Exactement. Quelle rentrée triomphale de la part de la future mariée. À Dieu soit la gloire, un chant interprété. C'est bien de voir qu'une personne va marier, elle chante en même temps. Whitney Jean. Et présentement, la mariée va prendre place. Et vous autres, vous êtes priés de prendre une attitude convenable. Tandis que nous allons continuer avec la programmation de cet après-midi. Tout de suite, ce sera un chant spécial. Bien sûr. Ce sera un chant spécial avec les artisans de l'harmonie pour une raison bien spéciale. Vous pouvez vous rasseoir. C'était en quelque sorte la rentrée triomphale de la mariée. Bien sûr, nous sommes le lundi, un lundi spécial. Merci de votre fidélité encore une fois. Merci de votre patience aujourd'hui. Nous allons avoir un chant spécial tout de suite qui vous fera plaisir pour votre délectation musicale, mesdames et messieurs. Tout de suite après le chant spécial avec les artisans de l'harmonie, ce sera la deuxième lecture en cette circonstance, n'est-ce pas, vrai, Bellegarde? Bien sûr, une lecture qui se fera par l'entremise de Madame Compère. Donc, elle va s'amener d'un moment à l'autre pour effectuer la lecture relative à ce moment combien spécial. Merci. Avec vous, les artisans de l'harmonie.
la lecture méditative de la parole de Dieu en cette noble circonstance se trouve insérée dans le livre de 1 Pierre, soit 1 Pierre 3, le verset 7. Je vous invite à vous lever pour le respect de la parole de Dieu. Et je lis pour vous. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La parole du Seigneur est bénie. Nous fermons les yeux et nous prions le Seigneur. Nous rendons gloire à toi, notre Père et notre Dieu, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers nous manifestée chaque jour. Nous te louons, Père, de ce que tu révèles un Dieu immuable, un Dieu fidèle, un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Tandis que nous sommes réunis à l'enceinte de l'auditorium Michel Toussaint pour participer aux noces de Rose-André Roclon et Médéla Lovinsky. Nous te demandons, Père, dans ta toute puissance, de prendre les reins de cette cérémonie. Bénis les futurs époux et épouses, les célébrants aussi bien que les conviés. Sois avec nos pères, pardonne nos péchés, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Merci vous, s'il vous plaît. Et mesdames et messieurs, nous sommes toujours contents, ravis, oui, des gens, d'avoir chaque parent, chaque ami, chaque collègue de travail, chaque étudiant, chaque membre d'église, et nous voyons que la salle est un peu insipide, il y a quand même du désespoir, il faut quand même hausser le ton de manière rythmique. Alors, oui, Jean, que penses-tu de cette notion de relativité, de connexité entre le public et ce que nous faisons aujourd'hui? Je vois que le public s'impatientait justement pour attendre l'arrivée des personnes les plus spéciales de la cérémonie. Mais je dois souligner également, pour des jeunes exemplaires, il y aura toujours la présence des anciens d'église. Pour des jeunes exemplaires, il y aura toujours la présence des anciens, non seulement des anciens, mais également des grands-parents, la présence des personnes combien importantes. Donc, toutes ces présences-là, Roclor et Médéla, témoignent combien qu'on vous estime. On vous estime énormément. Voilà pourquoi on est là juste pour rehausser l'éclat de votre cérémonie nuptiale. On a ici la présence des personnes combien importantes. Nous sommes tous là pour dire oui, pour accepter avec votre union, pour être témoin de votre union de cet après-midi. Alors, Bellegarde, nous poursuivons. Le temps d'augmenter le tempo, parce que cela reste froid. Nous allons appeler un artiste qui est au niveau du concours Sabapam de MEODH. Il est déjà passé de présentation. Donc Est-ce que l'on doit laisser au public de deviner de qui il s'agit alors? Est-ce qu'on doit laisser au public de deviner? Peut-être. Mais ils savent bel et bien de qui nous parlons. Alors, mesdames et messieurs, que vous soyez branchés via la chaîne YouTube de MEODH, aussi la page Facebook MEODH, le temps d'accueillir Falek Sever. Mesdames et messieurs, on accueille Falek Sever maintenant. Falek Sever, n'est-ce pas, vos applaudissements? On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit Falek Sever qui s'amène et ce sera un moment très spécial. On écoute Falek Sever avec beaucoup de sévérité. Il va chanter pour le public. Bon travail. Thank you.
à ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand, plus petit, sa gloire ne revient, c'est Dieu et seul. Sera notre roi, nos fils seront appelés de seul Dieu. Nos vies seront remplies de Dieu, de seulement Dieu. Et Médéla, un jour, ils se sont rencontrés, n'est-ce pas? Et présentement, nous sommes arrivés à un moment spécial. Il y a un chant qui précède ce moment combien important. À Dieu, et seulement Dieu, soit toute la gloire pour la présence de ces deux jeunes exemplaires, ces deux personnes combien importantes en cet après-midi. Nous sommes arrivés à un moment très spécial, un moment très attendu de la part de plus d'un, n'est-ce pas vrai, Bellegarde? Bien sûr, ce sera le temps de feuilleter les différentes pages de ce livre d'amour écrit par Levinsky Medela, et c'est très cher. Bien sûr. Bien avant, ce sera avec la voix de la mariée qui précédera la méditation de cet après-midi dans la louange. Avec sa voix charmante, elle va remercier Dieu. Ce sera sa manière de dire merci à Dieu. La mariée accompagnée de ses compagnons, n'est-ce pas vrai, pour louer le nom du Seigneur. Alors, chère reine, princesse, vous êtes priée de... Un chant comme étant... l'interprète de leur amour.
C'est bien. Alors, savourez par participer, bel et bien, à travers ce moment de louange en l'honneur de notre Dieu, tout de suite. Avec vous, la voix de Woklor Rose-André, à sa manière de remercier, de louer le nom du Tout-Puissant. Ce qui compte sur l'Éternel renouvelle leur force. Ce qui compte sur l'Éternel renouvelle leur force. Il s'élève comme les aigles, et il court sans se lasser. Oui, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Et je prendrai un poste dans Dieu. J'irai là où tu es. Oui, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Et je prendrai mon envol. J'irai là où tu es. Ce qui compte sur l'Éternel renouvelle leur force. Ce qui compte sur l'Éternel renouvelle leur force. Il se lève d'aigle et il court sans se lasser. Oui, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Et je prendrai mon Et présentement, disposez vos cœurs à écouter les sages conseils de notre pasteur Richner Auguste Fleury. Déjà, bonne délectation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, lundi 15 août 2022, est un grand jour pour ceux qui s'attachent aux ambiances, aux fêtes traditionnelles. Mais pour beaucoup dans le monde adventiste, ce jour est dans le bon sens un grand jour.
Il est d'abord pour Rose André, Rocklore et Lovensky Medela, qui dans quelques instants vont se confondre, comme à la tombée de la nuit, les lignes du paysage en se confondent, parce qu'ils vont former les deux une seule chair par le mariage. Il est un grand jour pour les familles Rocklore et Medela, parce que leurs enfants, Lovensky et Rosandré, Rosandré et Lovensky, convoltent en juste noces. Il est un grand jour pour l'église de l'Université Adventiste d'Haïti, l'église de Luna, pour l'église Bethléem de Rivière-Froide, pour l'église du Temple 1 de Cap-Haïtien, que je sache, et pourquoi pas pour l'école fondamentale Adventiste de Dikini, l'EFAD, pour la faculté de théologie de Luna, parce que deux jeunes qui ont fréquenté ces institutions, qui fréquentent ces institutions, deux jeunes très engagés, bourrés de talent, acceptent aujourd'hui de confirmer par le mariage, par leur mariage, l'idéal de Dieu pour l'homme et la femme. Ces deux-là ont fui le fort courant du libertinage, de l'homosexualité, et j'en passe, afin d'avoir recours au mariage. Regardez-les, regardez-les, Rosandré, Lovensky, ils sont bien mignons, ils sont plus beaux que jamais, plus jolis que jamais. Et je m'en voudrais de ne pas vous demander de les applaudir chaleureusement. Applaudissez Rosandré et Lovensky. Applaudissez, un tonnerre d'applaudissements. Merci. Lovensky a amour dans son nom, en anglais, love. Et son nom frise et une langue étrangère, Lovensky. Il va désormais être condamné à arroser avec son eau d'amour, bien entendu, hein? Chaque jour, chaque matin, oui, chaque jour, matin, midi et soir, à toute heure et à tout moment, la rose d'André, cette jolie rose, rose d'André, qui va être définitivement sa rose, la rose de Lovensky, bien sûr. Et le fait que le mariage ait lieu au jour d'anniversaire de Lovensky dit que Lovensky déploiera plus d'efforts que Rosandré pour un bonheur conjugal garanti. Et surtout, mon cher Lovensky, chaque 15 août, quand on doit fêter le mariage et l'anniversaire, l'anniversaire de Lovensky, l'anniversaire du mariage et l'anniversaire de naissance de Lovensky, Lovensky, tu auras beaucoup plus de responsabilités. Mesdames, mademoiselles et messieurs, veuillez dire bonne fête à Lovensky et à Rosandré par un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez-les. Bonne fête à Lovensky, bonne fête à Rosandré. C'est bonne fête à vous deux, parce que vous aurez... Eh bien, ce double impact chaque année, chaque 15 août, ce sera un double impact. L'anniversaire du mariage et l'anniversaire de naissance. Dans la cérémonie nuptiale, l'homélie que le pasteur délivre, que le prêtre délivre ou que l'officier d'état civil délivre, se résume à une série de conseils que l'on donne aux futurs mariés et à la future mariée. Mais à bien constater, on réclame beaucoup plus de choses aux futurs mariés. On donne beaucoup plus de conseils aux futurs mariés. Pourquoi? C'est parce que, selon la parole de Dieu, l'homme est un sexe beaucoup plus fort que la femme. Et pour moi, ça tombe bien, ça tombe à pic. Parce que Lovensky fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Et c'est son mariage aujourd'hui avec un Rosandré. Eh bien, Lovensky a plus de responsabilités dans la vie à deux. 1 Pierre 3, verset 7 dit, Marie, notre bien-aimée sœur, l'avait bien lu et c'était vraiment clair.
Oui, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. La parole de Dieu dit clairement sans embâge que la femme est plus faible que l'homme. L'homme est plus fort que la femme. Oh, n'ai aucun problème. Ne sois pas fâché avec moi, Rosandré. C'est la parole de Dieu qui dit que tu es plus faible que Lovensky. Alors, Lovensky, mon cher, tu dois chérir ton épouse. Et je vais m'adresser d'abord à toi, Lovensky. C'est pourquoi tu dois fixer ton attention sur moi. C'est après que j'irai vers ta future moitié, Rose Clore. Rose André, je fais un peu de vert là. Rose André, Rose Clore. Chérir son épouse, mon cher Lovensky, cher collègue, relève d'un acte quotidien de volonté. Ne laissons donc pas la crasse de la routine ternir l'éclat de notre premier amour. Pour cela, 12 suggestions ont été soufflées à l'oreille d'un homme par une femme pour un bonheur conjugal garanti. Et ces 12 conseils, je vais te les donner, Lovensky. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Numéro 1, consent des sacrifices. Ah, c'est important. Consent des sacrifices. On peut dire aussi consent à des sacrifices. Sachant renoncer, mon cher Lovensky, de bon cœur, à quelque chose que tu aimes pour faire plaisir à celle qui va être ton épouse. Oh, mon cher frère, ton amour n'aura de prix que celui qu'il t'aura coûté. C'est le premier conseil, la première recommandation. Et le deuxième conseil dit, écoute-la. Tu dois écouter ton épouse. Ton épouse a autant besoin du don de ton oreille que de celui de ton cœur. Ah, oui, tu lui as dit, je t'aime, Rosandré. Je t'aime avec toute la force de mon être. Je t'aime, mon amour pour toi va de plus infini à moins infini. Tu es mon boulot, ma boule pique, je t'aime fort. Tu lui as dit tout cela, mais tu dois savoir qu'elle a aussi besoin du don de ton oreille que de celui de ton cœur. Tu lui as assez dit que tu l'aimes, c'est bien, tu le lui diras beaucoup ce soir, demain après-demain, oui, durant toute votre vie, parce que aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'éternelle union de Rose André et Lovensky, Lovensky et Rose André, l'éternel amour. Alors, tu dois l'écouter. Alors, tu dois savoir que les femmes parlent beaucoup, 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 beaucoup plus que les hommes. Tu ne dois pas avoir l'art de l'entendre. Oh, selon la biochimie du cerveau humain, la forme du cerveau de l'homme fait qu'ils disent au plus 3000 mots par jour, à moins qu'il enseigne. Lovensky est enseignant, il est professeur. Et oui, il est théologien, il en prêche beaucoup. Depuis que je le connais, il aimait prêcher. Oui, au temple 1, oui, de Cap-Haïtien, c'est assez important. Quand tu prêches, quand tu enseignes, tu peux dire mieux que 3000 mots, ça arrive. Mais sache que, selon la biochimie du cerveau humain, la forme du cerveau de la femme fait qu'elle dise au moins 8000 mots par jour. Au moins, je dis combien ? 8000 mots par jour. Ce qui veut dire que la femme parle beaucoup. Une femme qui ne parle pas beaucoup est une femme malade. Ah, messieurs, hein, ne soyez pas étonnés d'entendre cela. Une femme qui ne parle pas beaucoup est une femme malade. On doit l'emmener voir le médecin. Et l'inverse en dit aussi vrai que l'homme qui parle beaucoup doit être emmené chez le médecin. Parce que l'homme, normalement, ne parle pas beaucoup, à moins qu'il enseigne ou qu'il prêche plusieurs fois dans une journée. Le troisième conseil dit, mon cher Lovensky, tu lui manifestes ton attachement par des gestes de tendresse. Oh, la plupart des épouses apprécient d'être tenues par la main, par l'épaule, par la taille, une partie sensible de leur corps. À la maison,
comme en public. Oh, mon cher Lovensky, ton affection lui sera d'un grand réconfort. Oh oui, puisque tu lui témoignes ton appréciation, ton attachement, oh, l'amour va s'affermir. Quelqu'un de dire, l'amour s'affermit en s'affirmant. Puisque tu lui affirmeras ton amour, eh bien, ça s'affermira, ça prendra de la force, bien sûr. Quatrièmement, mon cher Lovensky, aujourd'hui, tout le monde te voit avec elle. Jolie, radieuse, toi aussi tu es très beau. Oui, plus beau qu'avant. Mais tu dois savoir que tu dois te montrer avec elle aussi souvent que possible. Tu ne la laisses pas. Tu ne la laisseras pas toujours à l'écart lors de tes sorties. Tu dois lui témoigner de ton bonheur de couple en étant ensemble, un en deux personnes, bien sûr. Oh, durant les classes prémaritales, tu m'as dit des choses vraiment élogieuses en ce qui concerne vos André. Mais tu dois savoir que c'est après le mariage que tu dois dire, surtout, oui, surtout après le mariage, que tu dois dire des choses gentilles sur elle. Oh, dis des choses gentilles sur elle devant tes amis, tes relations. Tu ne dois pas éprouver de la honte de dire, j'ai une bonne épouse. Le Seigneur Dieu m'a fait don d'une bonne femme. Elle est merveilleuse. Elle est extraordinaire. Oui, des choses gentilles sur elle devant tes amis. Oui, Géraldine, Benjamin, jeune marié, ton ami. Oui, le parrain qui est là, docteur Hans Maniga. Oui, madame Benoît et l'une des marraines, c'est bien. Alors, mais tu continueras à dire des choses gentilles sur elle devant tes amis, tes relations. C'est important. Sixièmement, tu dois partager ses responsabilités. Tu lui demandes ce qui lui plairait que tu fasses pour l'aider. Oh chérie, dis-moi, que dois-je faire aujourd'hui pour t'aider? Oh, c'est important. Oh, messieurs, écoutez-moi, je m'adresse à Lovensky, mais je m'adresse à vous tous. Oui, sexe masculin ici. Il y aurait moins de divorces si chaque conjoint se disciplinait à dire à l'autre, que dois-je faire pour toi? Surtout l'homme, que dois-je faire pour toi, chérie, aujourd'hui? Et même au niveau du corps à corps, de la relation sexuelle, il est important de demander à la femme comment, eh bien, tu dois faire ça, comment elle se sentirait mieux dans ce corps à corps extraordinaire. Ah, tu dois lui demander ce qui lui plairait que tu fasses pour l'aider, pour qu'elle soit satisfaite, épanouie. Le septième conseil dit, ou la septième recommandation, mon cher Lovensky, montre-lui du respect. Il y en a qui respectent leurs femmes avant le mariage, mais après, mais les femmes ne sont plus respectées. Tu dois lui montrer du respect, mon cher Lovensky. Tu dois user de prévenance en devinant ses attentes. Une porte ouverte, oui. Tu ouvres pour qu'elle entre, pour qu'elle sorte, un colis porté, un bouquet de fleurs offert, des petits riens, mais indispensables pour qu'elle se sente reconnue et appréciée. Ça, c'est important. Il y en a qui sont galants avant le mariage, qui apportent de la pomme, une pomme, qui apportent des fruits, qui apportent beaucoup de choses, des cartes parfumées, des lettres parfumées, etc. Ils font ça avant le mariage, mais après le mariage, ils ne le font plus. Ah, messieurs, sachez bien que l'on doit être beaucoup plus galant après le mariage qu'avant le mariage. Rien ne dit qu'on se mariera. Alors, Madame White de dire, oui, 1000 fiançailles peuvent être brisées, mais un mariage réussi, c'est quelque chose. Oui, vaut mieux que 1000 fiançailles se brisent
et que mariage réussisse. Parce que, étant fiancé, rien ne dit qu'on convolera en juste noce. Le Dieu du ciel vous aime les deux. Il vous permet d'être ici, devant l'autel du temple adventiste, et bien de l'université de Luda, pour convoler en juste noce. C'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Mais pour ceux qui comptent se marier, qui sont fiancés dans l'assemblée, rien ne dit que vous vous marierez avec elle ou avec un eux. Alors, c'est pourquoi il faut être plus galant après le mariage, mon cher Lovensky. Fais-lui savoir que tu l'admires. Huitièmement, un mot gentil sur sa coiffure, sa robe, l'aménagement de la maison. Et mon épouse aime faire ça, mais je n'ai jamais raté l'occasion de lui dire « Oh, tu as renversé l'ordre des choses en Dieu en mon absence, tandis que j'étais en terre étrangère. » Parfois, elle fait ça en un seul jour, alors que je suis ici. J'ai été travailler, mais à mon retour, je vois que la chambre est arrangée d'une autre manière. Mais je ne laisserai jamais passer l'occasion de dire « Ah, tu as fait ça, c'est plus joli qu'avant. » Je peux faire des remarques, oui, mais je les ferai après. Ouais, mais je dois dire que je vois que tout a été changé. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Alors, mon cher, tu dois lui faire savoir que tu l'admires. Un mot gentil sur sa coiffure, sur sa robe, l'aménagement de la maison. La cuisine, la nourriture est bonne, il faut le dire. Ses loisirs, son travail. Et te voilà, mon cher Lovensky Medela, bénéficiaire d'une épouse rayonnante de joie. Bien sûr, oui, tu seras l'unique bénéficiaire d'une épouse rayonnante de joie. Aujourd'hui, eh bien, lundi 15 août 2022, vous deux, vous êtes ici pour convoler en juste noce. Ce sont les noces, c'est le mariage. Oh, le Dieu du ciel, très certainement, aussi sûr que l'aurore bénira et les reins de Lovensky, il bénira les entrailles de Rose-André Roclor, qui deviendra Rose-André Roclor et Medela, et vous aurez des enfants à la gloire du Seigneur. Mais mon cher Lovensky, tu dois savoir que tu dois te révéler un père présent, mon cher. Un père présent, parce que l'éducation des enfants, c'est aussi ton affaire. Tu dois aider la mère, la future mère, dans l'éducation des enfants. Il y en a qui disent, bon, c'est la femme qui fait l'éducation des enfants, etc. Oui, elle est toujours à la maison, elle est plus souvent à la maison. Non, 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 il ne faut pas parler de la sorte, mon cher. L'éducation des enfants, c'est aussi l'affaire des hommes. Ce sera ton affaire, mon cher Lovensky. Oh, quand tu l'aideras dans cela, dans l'éducation des enfants, eh bien, elle en sera une mère heureuse. Et il y a quelque chose d'importance capitale que je dois te dire, mon frère. Oh, une mère heureuse, sache-le bien, qu'une mère heureuse se métamorphose en amante heureuse. Je dis bien, il ne faut pas l'oublier, monsieur, surtout Lovensky, une mère heureuse se métamorphose en amante heureuse. C'est comme la chenille qui deviendra papillon après être métamorphosé. Alors la femme qui est heureuse à cause de son mari, par rapport à ce que fait son mari, se transforme en amante heureuse. Parce que l'amant, c'est le côté sexuel, c'est le côté érotique. Ouais, on dit on a une bonne épouse, oui, elle est prête à faire des sacrifices. Une bonne femme, ok, une bonne femme à la maison. Quand on dit qu'on a une bonne amante, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait le sexe avec moi, qui me caresse, qui me donne la satisfaction sexuelle dont j'ai besoin. Oh, de même pour l'homme. Oui, quand ta femme dit qu'elle a un bon amant. Alors, si tu fais tout cela, elle se métamorphosera en amante heureuse. Ça qui dit que la bonne meilleure relation sexuelle qui n'y est. Les hommes, ce sont de fins gourmets. Messieurs, vous êtes de fins gourmets. Vous aimez cette nourriture. Nous le savons. C'est un homme qui parle par la grâce de Dieu. Alors, vous aimez ça beaucoup plus que les femmes. Oui, c'est ça. Mais pour que vous trouviez, messieurs, ce que vous aimez beaucoup de la femme, il faut
eh bien, l'aider à se métamorphoser. Le 10e conseil dit, aide-la à s'épanouir dans ce qu'elle aime. Levinsky, tu l'aides à s'épanouir dans ce qu'elle aime. Ne pense pas seulement à toi et à ta propre carrière. Tu dois l'aider à avancer, à progresser aussi. C'est très important. Et l'avant-dernier conseil dit, tu dois passer du temps en tête à tête avec elle. Oh, tu comptes acheter une bicyclette, une motocyclette, une voiture, un terrain et autres. Mais il faut que tu passes du temps en tête à tête avec elle pour dire que voici quel plan j'ai, voici ce que nous aimerions réaliser. Et ceci pour tout, il faut passer du temps en tête à tête avec elle. C'est ce qu'on appelle une escapade d'amoureux. Une escapade d'amoureux. Oh, rien de plus tonifiant. Et organisez régulièrement, messieurs, ces éclaircies de soleil sur votre couple. Alors, mon cher Levinsky, tu organises régulièrement ces éclaircies de soleil sur ton couple. Et le tout dernier conseil, mon cher Levinsky dit, je reprends pour dire qu'aujourd'hui, tu es devant l'autel de l'église de Luna pour te marier avec la ravissante Rose André Roclore. Aujourd'hui, c'est le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes là, eh bien, sont tirées à quatre épingles pour ce grand jour. Bien sûr, ce décor somptueux révèle le sens, un sens esthétique très poussé. Mais c'est pour Levinsky, c'est pour Rose André. C'est le mariage. Aujourd'hui, 15 août, les deux, vous vous mariez. Mais, mon cher Levinsky, sache que tu dois te marier chaque jour avec elle. Je reprends pour dire que tu dois te marier chaque jour. Aujourd'hui à 15 août, demain sera 16 août. Et demain, que je sache, je serai ici pour d'autres noces. Il y a quelqu'un sur le campus qui se mariera. Pasteur Sénèque sera là, je serai là. Et dans les jours à venir, j'aurai beaucoup de mariages, surtout au mois de décembre. Alors mon cher, tu te maries aujourd'hui, mais sache que le mariage doit se faire chaque jour. Chaque jour, tu dois te marier avec un Rose André Roclore. M'aidez-la. Et tu te rappelleras ce vieil adage, mon cher Levinsky. Pour être heureux en mariage, il ne faut pas tant s'être marié avec une femme qu'on aime, mais aimer celle avec qui on s'est marié. Oh, tu pouvais dans le passé souhaiter avoir tel type de femme, tel physique, oui, avec tel physique, avec un tel type de connaissances, etc. Mais ce n'est pas cette femme que tu as trouvée. Ah, mais la femme que tu as trouvée, avec qui tu t'es marié, c'est ta femme. C'est pourquoi il est dit qu'il faut se marier chaque jour avec elle. Alors, et il ne faut pas tant s'être marié avec une femme qu'on aime, mais aimer celle avec qui on s'est marié. Oh, celle avec qui on s'est marié doit être aimée toute la vie. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de votre éternelle union, votre éternel amour. Eh bien, vous devez vous aimer chaque jour. La lune de miel doit être chaque jour. Que de choses à mon cher Levinsky. Mais maintenant, j'aimerais que Rose André se focalise sur moi maintenant. Maintenant, je m'adresse à toi. Tu vois tout ce que je dis à Levinsky. 12 conseils. 12 recommandations à mon cher Levinsky. Et toi, ma chère Rose André Roclore. Eh bien, un seul conseil pour toi, une seule recommandation pour toi. Et je dois te dire qu'à l'intérieur de ce conseil se trouve toute une infinité de conseils. À l'intérieur de cette recommandation se trouve toute une infinité de recommandations, ma chère Rose André Roclore. Qui sera Rose André Roclore Medela. Bien sûr, eh bien, ce conseil, nous le trouvons dans Éphésiens 5, verset 22. Ah, c'est un conseil, c'est une recommandation. Et ça dit, femme,
Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, ma chère Rose André, je te dis, femme Rose André, sois soumise à Lovensky, Médéla, comme au Seigneur Jésus. Parce que, dans quelques minutes, Rose André, Lovensky va devenir ton Seigneur. Et tu l'acceptes. C'est ton Seigneur. C'est ton Seigneur. Tout ce qu'il te dit, tu dois le faire. Tu dois lui obéir. À moins qu'il te demande de faire quelque chose qui ne rencontre pas la volonté divine. Pour cette seule raison, tu peux désobéir. Pour cette seule raison. Mais à part cela, tu dois obéir entièrement à Lovensky. Médéla. Parce que c'est ton Seigneur. Oh, je m'en voudrais de ne pas te le dire, de ne pas le dire à toutes les femmes qui sont ici présentes. Oh, Sarah était une femme belle, fort belle. Oh, à son arrivée en Égypte, on la vantait à Pharaon. Et un homme ne devait pas posséder une plus belle femme que le roi. C'est pas possible. C'est le roi qui devait posséder la plus belle femme. Et Pharaon a, je dirais, kidnappé Sarah. Pour la prendre pour femme. Mais Dieu avait interdit à Pharaon de toucher Sarah. Une seconde fois, Abimélec, un autre roi, avait kidnappé Sarah encore. Oh, la plus belle femme doit être à moi. Mais Sarah, ma chère Rose André, pouvait dire, oui, ma chère Rose André, Sarah pouvait dire, Abraham a fait un fréquent avec moi. Quand des rois prennent moi. Et puis, qu'on y est là, même pour Abraham, qu'on est pour la paix et parler avec moi, Abdi me fait ceci, fait cela. Non, 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 à n'importe quel moment. Et quand ces hommes-là avaient enlevé Sarah, Sarah avait commencé à avoir de l'âge. Wow, on comprend cela. Femme d'un grand monde, mais li belle, li attrayante, li intéressante. Alors, oh, ma chère Rose André, que tu ne sois pas détournée de ce que je te dis. Sarah appela Abraham, son Seigneur. Hey, ma fille, laisse aux André, je lui parle maintenant. Sarah appela Abraham comment? Son Seigneur, mon Seigneur. Alors Abraham, c'est réellement son Seigneur. Lovensky va être ton Seigneur. Ce n'est pas qu'il faille dire qu'il sera un homme dominateur. Il n'oubliera pas que tu as été prise de ses côtes. Tu es sa côte. Oui. Il doit te choyer, te chérir, te donner tout ce dont tu as besoin. C'est important. Il doit être disposé à mourir pour toi. L'amour qu'il a pour toi doit être un amour protecteur. Parce que les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Les hommes doivent être disposés à mourir pour leurs femmes. Mais les femmes, en revanche, doivent savoir qu'elles doivent obéir entièrement aux hommes. Oh, beaucoup s'évertuent à se marier sans tenir compte des implications du mariage, des exigences du mariage. C'est pourquoi les gens se marient. Aujourd'hui, demain, ils rentrent en discussion et après demain, c'est le divorce. C'est parce qu'ils ne tiennent pas compte des exigences du mariage, de l'importance du mariage, des implications du mariage. Oh, qu'il n'en soit pas de même pour vous, vous deux. Vous devez tenir compte des exigences du mariage, des implications du mariage. Et je reprends pour dire que Lovensky et Rose André sont ici. C'est pour l'inauguration de leur éternelle union, l'inauguration de leur éternel amour. Ils seront toujours ensemble durant toute leur vie. Oh, selon la parole de Dieu, dans le Seigneur, eh bien, l'homme aime la femme jusqu'à mourir pour elle, et la femme aime l'homme jusqu'à se soumettre entièrement à l'homme. Aujourd'hui, nous sommes là, Rose André, Lovensky, Rose André, pour vous dire les deux que nous vous aimons. C'est pourquoi nous vous accompagnons. Nous sommes là pour vous dire bonne vie à deux. Aujourd'hui, vous êtes condamnés, c'est une bonne condamnation, à faire tout ensemble, manger ensemble, boire ensemble, faire l'amour ensemble, oh, faire tout ensemble, qu'il n'y ait pas de sens unique. Oh, oui, vous ferez tout ensemble parce que
vous entrez dans la vie à deux, la vie la plus douce, la plus belle, mais aussi la vie la plus difficile. Mais vous devez savoir, mon cher Levinsky, ma chère Rose André, que même au singulier, le mot heureux a des allures plurielles, parce que ça prend un X. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être heureux seul, que c'est à deux qu'il faut être heureux. Vous ne pourrez pas être heureux dans la solitude. C'est ensemble que vous serez heureux, les deux. Oh, j'aime ce passeur qui n'existe plus, qui est mort. Oh, si je pouvais le trouver, je l'embrasserais. Il avait une bonne pratique dans cette église où il avait une cloche gigantesque. On devait faire sonner la cloche chaque une heure de temps. Ah, les diacres sont robustes pour faire ça. Le concierge avec d'autres personnes sont robustes. Mais ce n'est pas facile à une seule personne de faire sonner la cloche. Et le pasteur, à la fin des cérémonies nuptiales, demande aux jeunes mariés de sortir, d'aller sur la cour du temple. Et il demande à l'homme de faire sonner la cloche. L'homme, qui est plus fort que la femme, je l'avais dit au début, Levinsky est plus fort que Rose André, l'homme s'appuie sur la corde, ça fait ding, ding, dong. Wow, mais ça ne sonne pas trop bien. Et puis il demande à l'homme, à la femme, de tirer sur la corde. Mes amis, oh, ding, ding, dong. Wow. Et puis le pasteur de leur demander à deux de s'appuyer sur la corde. Ah, il fallait voir ça. Quand les deux s'appuient sur la corde, ça fait ding, ding, dong. Ding, ding, dong. C'est l'heure du mariage de Levinsky Medela et Rose André Roclove. Tout le monde le sait. C'est l'heure du mariage. C'est l'heure du culte. C'est l'heure de telle, telle chose, etc. Oh, c'est bien. Et tout le monde se prépare. Tout le monde vient à l'église, entre à l'église. C'est important. Alors, le pasteur de dire, vous voyez, quand vous êtes à deux, vous faites mieux sonner la cloche de l'église. Eh bien, c'est à deux que vous ferez sonner mieux la cloche de la vie. Et si vous vous comportez ainsi, si vous êtes toujours à deux, eh bien, vous allez encourager ceux-là qui vivent dans le célibat tensionnaire à avoir recours au mariage, afin qu'eux aussi puissent jouir des délices du mariage. Alors, mon cher Levinsky Medela, ma chère Rose André Roclor, nous vous aimons bien et nous vous disons aujourd'hui bonne vie à deux en vous souhaitant toute une vie de lune de miel. Bonne vie à deux jusqu'au retour en gloire de Jésus où vous participerez très certainement aux noces de l'agneau. Nous vous aimons bien, nous vous embrassons, que Dieu vous bénisse. Futurs époux se mettent debout. Jusqu'ici, ils sont futurs époux. Ils ne sont pas encore mariés. Ils ne sont pas encore époux. Ok? Mon cher Levinsky, tu as pris du temps pour te mettre debout, mon cher. Viens. Ma chère Rose André, amène droit. Oh, je m'en voudrais de ne pas vous demander de vous regarder dans les yeux, avec des yeux doux. Hey, Levinsky, un sourire, parce que c'est le dernier regard des fiançailles. Après, ce sera le regard des gens mariés. Je demande à la marraine, à l'une des marraines, de bien vouloir enlever le gant de la main droite de Rose André, Madame Benoît. Madame Flore, et l'une de vous là, enlève le gant de la main droite de Rose André.
Joignez-vous la main droite, s'il vous plaît. Joignez-vous la main droite. C'est le jour J, le moment tant attendu est arrivé. Mesdames et messieurs, chers et frères, chers amis, la Bible, la parole de Dieu, demande à ceux qui se marient de rester ensemble en toute leur vie. Le Code civil haïtien dit la même chose en d'autres termes. C'est bien à l'article 196. Je cite, hein, « Les époux se doivent mutuellement fidélité, assistance, secours. » Alors, est-ce que mon cher Lovensky et ma chère Rose André sont d'accord avec la Bible et le Code civil haïtien? Oui, pasteur. Oui, pasteur. La Bible, la parole de Dieu, dit que l'homme doit aimer sa femme jusqu'à la protéger, jusqu'à même mourir pour elle, comme Christ l'a fait pour l'Église. Et la femme doit obéissance totale capitale à son mari. La femme doit obéissance à son mari. Mais le Code civil haïtien le dit en d'autres termes, en l'article 197. Marie, le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Est-ce que vous deux, Rose André et Lovensky, vous êtes d'accord avec la Bible et le Code civil haïtien? Oui, pasteur. Oui, pasteur. La Bible, la parole de Dieu, demande à ceux qui se marient de rester ensemble. Oui, c'est la femme qui doit suivre l'homme partout où il va, bien sûr. Mais le Code civil haïtien dit la même chose. En d'autres termes, à l'article 198 du Code civil haïtien, nous lisons « Le domicile conjugal est le domicile du mari. Rose André pourrait posséder 1001 maisons, mais la maison du mariage, c'est la maison de Lovensky. » Ce qui veut dire tu dois être toujours avec Lovensky dans sa maison. Tu dois la suivre, le suivre partout où il va. Est-ce que vous deux, vous êtes d'accord avec la Bible, le Code civil haïtien? Lovensky, tu dois être prêt à l'accueillir, tu dois l'accueillir constamment. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Bible, le Code civil haïtien? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Une dernière question. Mon cher Lovensky Medela, est-ce que vraiment tu aimes Rose André Rocklore? Tu veux te marier avec elle, la prendre pour femme, pour épouse? Lui donner tout ce dont elle aura besoin. Vivre avec elle dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la santé comme dans la maladie. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est son cadeau d'anniversaire. Mais tu dois dire oui, O-U-I, correctement. Oui, pasteur, je la veux. Oui, pasteur, c'est mon cadeau d'anniversaire. Est-ce que tu la veux? Oui, je le veux. Je la veux. Ok. Ma chère Rose André, est-ce que vraiment tu veux te marier avec Lovensky Medela? Le prendre pour époux, pour mari. Oui, vivre avec lui. Lui donner tout ce dont il aura besoin. Rester avec lui dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la santé comme dans la maladie. Oui, pasteur, je le veux. Oui, pasteur, je le veux. Applaudissez, s'il vous plaît, vous avez entendu, mesdames et messieurs. Alors, tiens pour moi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de l'assistance à vouloir s'opposer à ce mariage pour dire, pour telle ou telle raison, ces deux jeunes ne peuvent pas se marier aujourd'hui? Voici quelle objection et que j'ai. Qui est-ce là qui est capable d'opposer à mariage? Ça vous dit, ben qui raison fait deux mounsa ou pas qu'à marier aujourd'hui? Et la personne doit se faire accompagner du commissaire du gouvernement et d'un officier de police, bien sûr. Ok? Si que pas de moun qui présentait, qu'on se taise à jamais, puisque vous venez de prendre l'engagement de vous unir dans les liens sacrés du mariage. Moi, Richner Auguste Fleury,
ministre de l'Évangile, en vertu du pouvoir conféré à moi par l'Église adventiste du septième jour, en relation avec la législation haïtienne, je vous déclare mari et femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La parole du Seigneur est bénie et nous tous nous disons amen. Nous nous prosternons pour la bénédiction nuptiale. Et les témoins voudront se mettre debout. Voudraient se mettre debout. L'assistance aussi. Veuillez bien vous mettre debout, mesdames et messieurs. Et vous, c'est l'anniversaire de Lovensky, l'anniversaire de le mariage aussi. C'est sûr à ça. Bien sûr, c'est l'anniversaire de le mariage. Alors, je vous demande de bien vouloir prier pour eux. Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à deux personnes qui se marient, c'est prier pour elles. Ils se prosternent avec moi et nous prions le Seigneur. C'est la bénédiction nuptiale. Adorable Père des cieux, Créateur des mondes visibles et invisibles, auteur de la vie, instituteur du mariage, vers toi montent nos hommages, nos tribus de louanges et de reconnaissance pour la multitude de tes bienfaits manifestés à notre endroit malgré nos si nombreuses imperfections. Merci de nous permettre d'être ici pour les noces de ces deux jeunes. Merci, Père chéri, d'avoir permis à ces deux jeunes, Lovensky Medela et Rose André Woklor, de se rencontrer un jour. Et de leur rencontre, une aventure sentimentale a pris naissance. Laquelle aventure sentimentale les conduit aujourd'hui devant l'autel du temple adventiste de Luna pour convoler en juste noces? Merci pour eux, merci pour ces deux jeunes. Oh Papa chéri, dans ta bonté incommensurable, continue de les bénir. Oh, veuille souder leurs liens. Oh, c'est l'inauguration de leur éternelle union, leur éternel amour. Tu seras toujours avec eux, Seigneur Dieu. Veuille en demeurer dans leur cœur. Que tu sois toujours dans leur cœur, dans leur foyer, dans leur maison, l'hôte invisible à chaque repas, à chaque conversation. Bénis-les, Père chéri, de toutes tes bénédictions. Bénis-les dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur être tout entier. Bénis-les de toutes tes bénédictions. Oh Papa, pardonne leurs péchés. Pardonne les péchés de ton serviteur qui te prie à voir audible. Pardonne les péchés de nous tous ici présents. Oh Papa de grâce, ne nous regarde pas à travers nos péchés. Continue de nous regarder à travers le sang immaculé de Jésus. De ce sang coulé pour nous goutte à goutte sur la croix du calvaire. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Fais taire en nous toute mauvaise tendance, tout mauvais désir, tout ce qui n'est pas de droit. Transforme-nous à ton image. Ô Seigneur Dieu, bénis Lovensky Medela et Rose André Woklor Medela. Prends soin d'eux. Bénis, Père chéri, les reins de Lovensky. Permet qu'ils soient en mesure de donner des enfants à ta servante, Rose André Woklor Medela. Bénis Rose André Woklor Medela. Bénis ses reins. Bénis ses entrailles. Qu'elles soient en mesure de porter des enfants pour Lovensky Medela. Permet que de cette union, de belles petites filles, de beaux petits garçons puissent prendre naissance, lesquels enfants feront la joie des époux Lovensky et Rose André Medela. Lesquels enfants feront la joie de l'Église, lesquels enfants feront la joie de la société. Oh Papa, déjà nous te prions pour leur progéniture. Seigneur Dieu, bénis-les. Nous comptons sur toi, nous espérons ta bonté. Bénis ces deux jeunes. Éloigne bien loin de l'ennemi de nos âmes. Prends possession entièrement de leur être. Vis dans leur cœur, vis dans leur maison, vis dans leur foyer. Que tu sois toujours avec eux, Papa chéri. Tu voudras bénir ceux-là dans l'assistance qui comptent se marier
veuillent concrétiser leurs rêves. Bénis ceux-là qui sont déjà mariés. Pardonne leurs écarts, leurs manquements. Permet qu'ils renouvellent leur engagement aujourd'hui. Seigneur Dieu, bénis-nous tous. Bénis Lovensky, bénis Rose Clore, bénis les nouveaux époux Lovensky et Rose André, Rose Clore, Medela. Prends soin de papa chéri. Nous comptons sur toi. Nous espérons en ta bonté. Que l'un s'oublie pour faire la joie de l'autre. Que Lovensky se défonce pour faire la joie de Rose André. Et que Rose André se défonce pour faire la joie de Lovensky. Qu'ils restent ensemble durant toute leur vie jusqu'à ce que tu reviennes les chercher. Permets, ô Dieu, que cette prière bien et parfaite puisse monter vers toi comme un encens de bonne odeur. Qu'elle nous retourne, qu'elle retourne plus particulièrement sur ces nouveaux époux, les époux Lovensky et Rose André Medela, en rosée de grâce et de bénédiction. Qu'ils restent ensemble jusqu'au retour en gloire de Jésus où ils participeront aux noces de l'agneau. Qu'il en soit ainsi, ô Dieu, au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Et c'est la signature de l'acte. Après la signature des époux, celle des témoins, un ou deux parents du côté de chacun, viendront rapidement à poser leur signature dans l'acte de mariage. Mesdames et messieurs, pendant ce temps, vous allez pouvoir apprécier le couple Billy et Dinah Schley à travers un chant spécial et suivi du groupe Artisan de l'Harmonie. Déjà, on vous souhaite une bonne délectation. Tibia lublu ani o eve oka, I love you. The songs are all as different as the land from which they came, and through the words are all unique, our hearts are still the same. Love in any language, strength from God, pulls us all together, never apart. And not without to speak it, all the world will hear. Love can hear. We teach the young our differences, yet look our will the same. We love to lose, to dream our dreams. We know the sting of pain. From learning red to Lexington, the farmer love is lame. And that is all can misty-eyed to give their daughter's hand. Oh, maybe when we realize how much there is to share, we'll find too much in common to pretend it isn't there. Love in all the world will hear. Love in any language.
Nous demandons aux membres du protocole de venir pour le service de l'offertoire relatif à cette cérémonie nuptiale. De venir pour pouvoir commencer avec le service de l'offertoire tout de suite dans cette cérémonie nuptiale. Merci. Thank you.
merci. Merci. Musicien Robert. Ok. Les jeunes mariés se mettent debout. Mettez-vous debout. Merci. Commune de Carrefour, église de Luna, je sous-signais Richner Auguste Fleury, pasteur de l'église adventiste d'Haïti, assermenté exerçant mon ministère dans la suite de circonscription, certifié après la publication du mot fait, aucune opposition ne m'ayant été signifiée. Le citoyen Lovensky Medela, profession théologien, professeur, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, né à Bel Air, commune de Cap-Haïtien, agent majeur, fils légitime du citoyen Joseph Medela, profession maçon, demeurant et domicilié à Bel Air, et de la citoyenne Sidalise Janite, profession couturière, domicilié à Bel Air, commune de Cap-Haïtien, stipulant pour lui et en son nom personnel, d'une part. Et la citoyenne Rose-André Roclore, profession institutrice, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, née à Rivière-Froide, commune de Carrefour, âge majeur, fille naturelle du citoyen Jean-Eddy Roclore, profession cultivateur, demeurant et domiciliée à Carrefour, et de la citoyenne Josie Germain, profession commerçante, domicilié à Carrefour, commune de Carrefour, stipulant pour elle et en son nom personnel d'autre part. Et répondu séparément et affirmativement en présence des témoins qualifiés nommés ci-après à la question s'ils consentaient à se prendre pour époux, ont été unis par les liens sacrés du mariage le lundi 15 août 2022 à 6h30 du soir. Ont été témoins M. Benjamin Gérardi, pasteur, agent majeur, domicilié à Port-au-Prince, Mme Marie Gerta Claude Joseph Benoît, infirmière, agent majeur, domicilié à Port-au-Prince, M. Ernst Maniga, médecin, alors chirurgien, âge majeur, domicilié à Port-au-Prince, Mme Marie-Flore des Excellentes, éducatrice, âge majeur, domicilié à Port-au-Prince. Après lecture faite, avons signé le présent acte avec les époux, les témoins et les parents. Mesdames et messieurs, ces deux jeunes étaient entrés ici, deux personnes distinctes. Maintenant, disons, dans quelques courtes minutes, ils vont vider les lieux. Le temple adventiste de Luna, l'église de Luna, une seule et même chair aussi, et je l'ai si honneur de vous présenter les nouveaux époux Lovensky et Rose-André Roclore Medela, que vous applaudissez chaleureusement. Applaudissez, applaudissez chaleureusement les nouveaux époux, le plus jeune couple marié sur cette terre, on peut le dire sans embâche. Regardez-les, monsieur et madame Lovensky Medela, monsieur et madame Lovensky Rose-André Medela, les époux Lovensky et Rose-André Medela. Maintenant, il revient à monsieur Lovensky de dévoiler sa chère moitié pour que tout le monde puisse voir le joli visage qui nous est caché, qui est caché. Jusqu'ici. C'est l'enlèvement, le dévoilement d'abord. C'est l'enlèvement du voile, bien sûr. Il le fait avec patience. Thank you.
Maintenant. Et tout le monde le voit, ok. Maintenant, je ne sais pas comment il va se prendre, comment il va s'y prendre, s'il va le faire comme Paul l'avait fait pour Michel, comme Roméo l'avait fait pour Juliette, ou comme Salomon l'avait fait pour la Tsunamite. Il va déposer sur les lèvres de sa chère moitié simplement le premier baiser nuptial. Ok, merci. Tout est bien qui finit bien. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup de sacrifices pour venir ici. C'est surtout juste pour voir le premier baiser nuptial. Ok, après, les siégeants les salueront et vous aurez le privilège de les saluer sans bousculade pour ne pas les fatiguer afin de ne pas contrarier leur lune de miel ce soir. Se met debout maintenant pour recevoir la bénédiction. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous sommes infiniment contents, Père, de ce que tu nous permets d'être présents avec tes enfants dans un monde rempli de divisions, de haine et de violence, de divorce et de toutes autres sortes de problèmes. Mais tes enfants aujourd'hui disent oui publiquement pour s'unir au Père dans le lien sacré du mariage. Nous voulons te demander par ta grâce infinie, Dieu d'amour, toi qui es l'auteur même du mariage et toi qui es aussi le célébrant, que par ta grâce infinie, tu bénisses ce oui, Seigneur, et que tu bénisses ce jeune couple qui est à peine venu dans ce monde des mariés. Je te prie par ta grâce de permettre à ce qu'ils grandissent, ô Père, non seulement physiquement, spirituellement, économiquement, mais encore intellectuellement. Je te prie par ta grâce infinie de permettre à ce que ce oui qu'ils disent aujourd'hui grandisse, Père, jusqu'à ce que tu reviennes dans ta gloire. Et que ce couple, par ta grâce infinie, soit présent sur la nouvelle terre pour t'adorer en esprit et en vérité. Fais-nous sentir ta présence, ô Père. Bénis les parents, bénis, ô Père, tous les invités, les amis. Et garde-nous par ta grâce, en ta paix et en ta grâce, tandis que nous laissons ce lieu. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus, lui qui vit et règne et demeure au siècle des siècles.
Contre